Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour un combat de Coliseum. On est en Xel ou J-Eni. Je joue contre Xel, Eni, Yop. Et en face, je vois qu'on a un joueur légende. Donc le combat devrait être sympathique, je pense. Compo très similaire. Hein. On est tous les deux en Xel, Eni plus Eroder. Lui, peut-être sur quelque chose de plus agressif à chercher le one-shot. Quant moi, je cherche pas spécialement à mettre un énorme burst T2. Hein. Je mets plutôt mon jeu en place de manière plus diffuse. On va voir s'il arrive à placer quelque chose. L'initiative, bien sûr, va déterminer pas mal de trucs. Je joue avant lui, ce qui n'est pas à mon avantage. Hein. Il vaut mieux être le Xel qui joue en deuxième. Donc il pourra potentiellement me ramener quelqu'un. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement venir chercher du retrait, dans la mesure du possible. Hop. Une fuite. Contre et flou. Et ce sera tout pour l'instant. Hop. Est-ce que j'ai la prévisu? Ouais, normalement je l'ai, alors je l'ai pas vu sur le Xel. Bizarre. Ok, donc il place son début de jeu. Pour l'instant ça a l'air d'aller à peu près. Il joue avec la synchro, je vois. Ok. Ok, je vais venir placer une petite poursuite ici. Je vais me faire un molosse sur le Xel. Je lui fais un aboiement pour lui mettre des boosts. Je vais me faire une maîtrise d'armes. Hop. Et ce sera tout pour ce premier tour avec mon Ouginak. Le Yop, je regarde un peu. Donc 40 esquives PA sur le Yop. Donc a priori, s'il n'arrive pas à placer de burst, il va être un tout petit peu embêté. Mais là, voilà, je vois la fureur, la puissance qui tombe dès le tour 1, l'épée divine. Donc ça va vraiment chercher à burst. Heureusement que j'ai mis le. Heureusement que j'ai mis le contre déjà. Ça pourra servir. Je vais mettre ça ici. Je vais venir me caler là avec mon Eni, je pense. Je pourrais même. Ouais, je vais même avancer hein, comme ça. Des fois qu'il se fasse, des fois qu'il soit embêté, mon Eni, qu'il soit un peu plus loin, il pourra se rapprocher plus facilement pour aller soigner derrière. Et là, bien sûr, je vais essayer de ramener l'Iop. Alors, je doute que je puisse réellement le ramener. Alors, je vais désactiver le chat sur le tour du Xel pour gagner en fluidité. Il lui a fait quoi là? Abnégation, ouais. Double abnégation sur le Xel aussi, alors que le Xel qui est peut-être sur un mode agressif, peut-être un Xel R à en voir le tacle. Donc là, je vais chercher davantage le retrait PA sur le Yop que le placement. Hein. Mais j'aimerais bien éviter de perdre un perso tour 2, donc on va faire au mieux. En termes de placement, là, je suis un petit peu embêté, il va falloir que je mette quelque chose ici avec le Xel. Allez, je vais essayer de faire ça vite. Hop. Je peux avancer comme ça. Ce que je vais faire. Allez, vite. Ça là. Le cadran comme ça. Hop, on va venir chercher un tout petit peu de retrait quand même ici. Le rollback. Et du retrait sur le Yop également. Hop là. Et je vais rester ici avec mon Xel. De cette manière, je ramène le Yop tout pile comme il faut. Bon, alors le placement n'était pas adapté pour que je puisse me booster mes persos. Mais mon Ogi, mon Eni en PA. Mais en tout cas, en termes de placement, c'est pas trop mal sur le Yop. Bon, alors bien sûr, le Xel, il va pouvoir rétablir le placement comme il veut. Il le rapproche, il le remet derrière. Alors, mais du coup, est-ce qu'il va pouvoir me cop? Là, j'ai un doute. Hein. Donc, en gros, j'ai évité le burst du T2. Donc, j'ai pas non plus de tour 2, moi. Mais a priori, je vais pas me faire one shot. Et c'est un peu la bonne nouvelle. On va voir, flétrissement, il y va au flétrissement sur mon Xel. Ok, ça c'est plutôt tranquille sur les dégâts. On aurait pu s'attendre à pire. Mal joué là, il a fait le flétrissement avant la momif, il aurait dû faire la momif avant, hein, puisque maintenant la momif elle n'empêche plus de mettre des dégâts et le flétrissement t'as plus sur momification. Donc bon. Avec Lugie, je vais essayer de rapprocher mes persos, là je vais rush hein, tout simplement. Je pourrais foncer dans le tas, mais j'ai pas envie de me retrouver tout seul, donc on va partir là-dessus. Libé. Convergence. Moi je vais me booster pour la suite, je vais me faire un petit arcanin je pense, enfin un molosse pardon, ouais, déjà. Sur l'Eni, un arcanin. Et je pense encore un molosse. Ou non, je vais avancer tout simplement. Convergence, et j'avance à fond, hein. J'ai rien de plus à faire ici. Ok. Alors le Yop qui vient péter la synchro, bon là il a son tour vraiment full boosté. Il aurait pu éventuellement bon sur mon Ouji, hein, mais c'était plus un bait qu'autre chose parce que s'il avait fait ça, il se serait exposé, il se serait défoncé sur le contre. Donc ça aurait pas forcément été à son avantage. Donc là, il est en son tour avec tous les boosts qui est passé un peu à la trappe. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais mettre des PM sur l'Ouji.
J'aurais même éventuellement pu pousser le Xel. Bon. Je vais venir péter le cadran en face. Hop. Je pense que la flamiche, je termine. Parfait. Je vais faire un sacrificiel sur Luigi. Et un boost PA sur Luigi également. Le boost PA qui pourra peut-être servir par la suite. Ça m'évitera de qu'il perde le boost PA trop tôt au tour où le galvanisant va se terminer. Et peut-être que ça m'arrangera à ce moment-là. J'aurais pu sinon faire un mot de régénération avec les deux PA qui me restaient, ça aurait aussi été un plan. Alors, Lenny qui continue à booster tout le monde, alors là il faut vraiment, bah, comme d'hab, hein, je vais essayer de ramener le Yup et surtout de mettre du retrait sur le Yup. Peut-être même du debuff peut être intéressant quand je vois les boosts qu'il a, un debuff peut être une bonne idée éventuellement. Je pense que je vais partir là-dessus, ouais. Bon, il a plus la puissance, et il a encore quand même des boosts PA, des boosts puissance de Lenny, également mon PM, ça c'est moins gênant. Est-ce que je le ramène? Je réfléchis. Je pense que je vais juste y aller sur un tour un peu no brain. Ça fait du bien aussi des fois. J'ai plus ma kawotte. Si, j'ai ma kawotte. Parfait. Hop. Ah merde, j'ai fait nimp. Bon, tant pis. On va donc partir sur du retrait comme ça. J'ai fait nimp parce que j'ai pas de quoi aller le chercher derrière. Ok, j'ai tout pile le temps de terminer mon tour malgré le fait que j'avais le chat activé encore. Donc pas mal de retrait qui est passé sur le Xel. Bon, heureusement, le cadran m'a un poil de retrait ici sur le Yup. Mais je l'ai pas ral ni debuff, c'était pas forcément malin. En fait, la TP avec la Kawotte m'a enlevé tous mes PM derrière, donc c'était pas terrible. Hein. Il isole mon Xel. Il va peut-être ramener son Yop également, ouais, avec une petite gélure, en plus allumer un téléfrag avec l'arachnée, bien vu. Donc là, a priori, il me place pour un burst, heureusement, il y a Logi qui va jouer entre temps, et je vais pouvoir aller chercher le Yop. Je vais lui mettre un coup d'érosion, je pense que je vais l'attirer d'ailleurs. Allez, c'est à proie. Bon, il a plus trop de PA a priori, d'après ce que je vois, ça c'est plutôt de bonnes nouvelles. Je vais venir chercher l'héros. Je vais pas me transformer tout de suite, je vais plutôt venir simplement taper comme ça. En plus là je crois que j'ai pris le... Est-ce que j'ai pris le bonus de mon Vulbis? Ouais je l'ai eu, hein, le 10% du Vulbis, bon. Pour l'instant je suis pas spécialement boosté, on a quand même 41% de raise en face. Donc c'est pas incroyable, mais bon c'est toujours ça de pris. Bon il n'y a plus la puissance, pression, peut-être juste double pression, fureur. Ce sera déjà un tour assez violent je pense, ouais effectivement hein, ça picote. Alors, avec mon Eni, il va falloir que j'aille chercher le debuff. Je vais avoir tout pile les PM pour le faire grâce au ralliement sur l'Ouginac. Hop, c'est parti. Est-ce que je mets un coup de corrompu? Je vais pas pouvoir. Hein. Là, comme je suis obligé de me mettre ici pour aller chercher le Jouvence. Hop. Je vais mettre un petit mot de solidarité. Ben, on va pas prendre de risque comme j'ai pris des dégâts sous érosion. Et les sélectifs qui reviennent mettre le Xelor full PV en tapant un petit peu le Yop sous zéro. Donc pour l'instant je suis assez satisfait. Le combat une fois qu'on a passé quand même la tentative de one shot tour 2 de la team adverse, après c'est plutôt une configuration que j'aime bien. C'est voilà, on joue, on tape, on se rôde un petit peu, c'est pas du one shot. Mais bon avec le Yop quand même, je sais pas s'il a un marteau torture, mais il peut quand même caler un tour de Rox avec une précis à un moment qui peut me surprendre, enfin ça peut aller très vite hein, quand même de perdre un perso contre ça. Donc il va falloir que je fasse gaffe. J'aimerais bien rapprocher mon Ouji un petit peu. Peut-être remettre un téléfrag sur Lenny. Ok, je sais comment je vais faire. S'il me tacle pas. Ouais, je vais mettre le cadran là. Je vais mettre Lenny comme ça. Hop. Venir chercher du retrait comme ceci. Est-ce que je mets un flou? Je vais venir plutôt chercher une TP sur le Luigi. Voilà, ce que je voulais, c'était que Luigi il puisse prendre le boost. Et là, je suis juste embêté avec mes PA restants. J'ai pas très bien géré mon coup. Et ah! Bon, tant pis. Comme d'hab, hein, le Xel, pas facile de terminer les tours. Mais c'est correct, j'ai quand même mis il y a pas 3 PA. J'aurais pu, mais je voulais mettre un sablier de Xel en fait hein, sur le Xelor avant de décaler, j'ai zappé. J'aurais pu, hein, sans ligne de vue, ça aurait mis un petit retrait sans que je sois embêté après avec le nombre de PM. Bon. Les flétrissements de son Xel, ok, en crit, oui, effectivement, en crit, là, ça m'a fait un peu de dégâts quand même. 510, c'est pas mal. Il m'isole Lenny au Rambo, c'est bien joué.
Donc là, c'est mon Xel qui est en danger, hein. Principalement, ce que je vais faire, c'est que je vais le repousser. Hop. Le Yop, il va pouvoir... Bah, il a 3 PA, il va rien faire du tout, en fait. Bon, je le repousse pour le Lenny aussi derrière, mais... Concrètement, c'était même pas vital. Je continue à taper sur le Yop, il est plus héros, il s'est fait debuff l'héros. Dans ce cas, je vais la remettre tout de suite. Et je continue à taper sur Érosion, je reste ici pour le bloquer, mon Oji a priori est suffisamment solide pour rester en première ligne comme ça. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, le Yop qui commence un petit peu à prendre en héros quand même. Alors il va sur une fureur sans Érosion, il veut garder ses boots je pense, il aurait pu me choisir de m'éroder également, c'était un choix. Bah là avec Lenny je peux pas faire grand chose malheureusement. Je pourrais aller chercher un petit peu de soin sur le Xel, c'est ce que je vais faire. En termes de portée, voilà, bon, ça passe tout pile pour mettre ça. Je peux lui remettre un stimu éventuellement. J'ai pas le ralliement, je peux me faire un mot de régène. Hein. Il y a tous les sorts là un petit peu inutiles que je peux faire, mais il n'y a pas grand chose de plus. Après, j'ai des choses qui ont de la portée ici. Ah, il y a peut-être le tourbillonnant que je peux caler là pour toucher le Yap. C'est quand même 105 de dégâts, c'est toujours ça de pris. Et bah, malheureusement, ce sera que ça. Hein. Là, je pouvais rien faire de plus. Alors avec le Xel, je vais essayer d'anticiper un petit peu ce que je vais faire. C'est le Xel adverse qui joue après moi. Bon, comme d'hab, hein, je vais juste aller chercher le retrait sur le Yop concrètement. J'ai toujours mon cadran, ça c'est une bonne nouvelle. Le Yop, il repart où avec... ok, sur la case de gauche. Je pourrais éventuellement mettre une synchro et une gélure sur le Yop pour lui retaper un téléfrag. Je prends note de ça. Il lui a debuff l'érosion. Il tape mon Uji. Mon Uji qui du coup n'est pas érodé. Hein. Il a préféré mettre la fureur que la pression. Pas de soucis, mais ouais, je prends quand même des petits dégâts. Je me suis fait un mode un peu différent, là j'ai peu de reste-feu, où j'y sois attentif. Je vais y aller comme ça. Hop. Donc j'avais dit que ici, hop, je pouvais aller chercher le téléfrag. Oh là là, le chat qui me fait laguer. Pour changer. Allez, l'aiguille. La momif. Qui me permet de venir me caler ici et surtout de remettre le téléfrag aussi sur le Yup qui se retrouve à nouveau embêté en termes de PA. Là, vraiment, le 40 esquive PA contre ma compo était assez risqué. Bon, je vais enlever les chats de combat sur les persos qui sont pas en train de jouer. Gélure. Ok, bon, mon Uji ça a l'air d'aller quand même à peu près. Heureusement, il est vraiment ultra solide l'Uji. Hein. Vous voyez, là, j'ai changé le mode. Je me suis fait un truc avec beaucoup plus de repou, plus de res air et il faut que je refasse les FM avec des res feu. Donc ça on le fera en vidéo de FM assez vite je pense. Donc là j'ai un mode quand même qui est bien bien solide avec en plus 101 d'esquive PA, ce qui est pas trop mal. Hein. Et toujours le Vulbis hein, qui permet de mettre des tours sympathiques quand même. Bon mon Xel a pris un peu d'héros tout de même, faudra que j'y fasse attention à ça. Bon le Xel là qui génère beaucoup de déplacements mais qui ne fait rien d'incroyable, il m'empêche pas d'aller chercher son Yop. Je vais caler une poursuite. Ici. Hop. Ce qui me permet d'attirer le Yop comme ceci. Il est plus héros là, hein, donc. Arcanin, érosion. Je l'attire pour être en dégâts de mêlée. Et je vais lui mettre un petit limier. Ok. On n'est pas trop mal. En plus, je me mets dans la ligne de Lenny. Ce qui va me permettre de me potentiellement me soigner, m'enlever de l'érosion, me rebooster. Ok, il me repousse. J'aurais peut-être pu avec le Xel m'arranger pour rapprocher mon ennemi parce que là il se retrouve une fois de plus avec un tour un petit peu inactif hein, puisqu'il a été éloigné de manière vraiment bien gérée par le Xelor adverse. Heureusement j'ai ici le glyphe qui me rajoute des PM et je peux stimuler le cadran, me faire un ralliement dessus. Ce qui me permet de... J'allais dire d'aller soigner par là, mais bon, concrètement... Oh, si je peux quand même mettre un peu de soin, là. On va mettre sacrificiel et déroutant sur le J. Et quand même, le coup de corrompu qui est toujours très rentable à placer. Hein. Autant on peut choisir de plutôt soigner que de taper, ce que j'ai fait ici sur mon Uginak, hein, parce que j'appréhende vraiment le bon précis du Yup. Sur un tour où il aurait éventuellement plus de PA, quelques boosts, je peux perdre un perso très très rapidement. Donc je préfère maximiser mes soins, même si là c'est plutôt le Xel qui est en danger. Il a pris un peu d'érosion, mais le Xel il joue en 7 ans de malheur, donc il a des résistances mêlées grâce au bouclier, ce que n'a pas l'Uginak. Donc bon, on va dire ça compense à peu près. Et ouais, le corrompu qui fait quand même mal sous érosion. Est-ce qu'il a encore une vita, le Yup là? Il a plus de vita, hein, il l'a perdu. Bon,
Alors, on va venir chercher. Yes, le rollback. Et le Yapil, notre ami Yapil est là. Allez. Hop, je vais tout de suite me mettre un contre. Et là, je vais venir chercher les pétrifications. Je pense que c'est le moment d'utiliser un petit peu ce sort. Là, normalement, voilà, je peux lui en mettre encore. Parfait, je vais même venir chercher le cac ici. Donc pétrification, c'est un sort que j'ai pas beaucoup utilisé pour l'instant, qui fait du retrait PA avec des dommages hauts plutôt conséquents. Une bonne portée lancée en ligne et qui est à 5 PA à la base, mais dont le coût en PA est réduit à chaque utilisation. Donc là, c'est un petit peu anecdotique sur mon mode de jeu, mais vous pouvez faire un Xelor au retrait, et je pense que c'est vraiment monstrueux en termes d'efficacité. J'avais envie de tester un peu cette variante, mais en fait, le plus chiant, c'est les premiers tours où il est très coûteux en PA, et après, il faut le relancer à chaque tour pour garder la réduction de coût, quoi. Bref, ceux qui jouent Xelor verront très bien ce dont je parle. Pour les autres, c'est peut-être un peu plus abstrait. Quoi qu'il en soit, ça peut être quelque chose de très intéressant. Alors là, il me met comme ça. Bah, là, je vais tuer le Yapin, tout simplement. Je vais mettre un Numerus, ce qui me permet de passer derrière le Xel, tout en me transformant. Et à partir de là, il est pas bien notre ami. Hein. On va venir mettre ça comme ça. Ah mais il a fait ce sort un petit peu amusant là. Mais je passe le kill quand même. Et je vais venir enchaîner sur le Xel. Donc là, il a fait la variante de contre hein, qui fait qu'à chaque fois que je tape, ça ramène à la position précédente. C'était un choix potentiellement intéressant. J'ai plus de lapin avec Lénis, il est là. Je vais mettre un galvanisant pour mettre les boosts sur les invoques et pour pouvoir éventuellement utiliser le mot de solidarité si j'en ai besoin. Je vais venir chercher le soin sur le Xel tout de même, là qui est un petit peu en galère, et les zones. Hop, et je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. Hein. Voilà, donc aussi sur le dernier colis, bon c'était un petit peu chaotique, on avait parlé un petit peu des problèmes de performance. J'ai essayé d'ajuster 2-3 choses, et j'ai fait un colis juste avant sans record pour voir un petit peu l'impact du record aussi. Et effectivement, le record je pense me fait laguer davantage, notamment sur les sélectifs de Lenny, ça se sent beaucoup. Je vais voir comment je peux améliorer ça, j'ai un petit peu baissé le débit du record. On verra au fur et à mesure des colis ce qui s'arrange, ce qui ne s'arrange pas. Mais j'en ai fait un avant, d'ailleurs c'était un colis très sympa. Hein. J'étais contre Eni et K Zobal. Beau colis qui a duré une trentaine de minutes, qui était équilibré et tout, que j'ai gagné, mais c'était vraiment pas mal du tout. Je suis un petit peu triste de ne pas avoir pu vous filmer. Mais bon, c'est comme ça. Je vais venir faire. Putain, forcément, si je parle autour du Xel, ça ne va pas aller. J'ai plus de cahuètes, j'ai plus rien là. Ok, je vais venir là-haut. Vite. Hop, et là je vais spam les pétrifications. Ah, oh, il me manquait un petit ralentissement. Là c'est ma faute, hein, 100%. Là pour le coup, c'est pas des performances, c'est que je vous racontais ma vie. Mais vous voyez les pétrifications, là on est à 2 PA. Regardez les dommages hauts monstrueux qui se cumulent. Et donc ça devient vraiment très chouette. Bon, il manquait un petit ralentissement sur le Xel, hein, bon, de toute façon je pense que le combat est plié donc c'est pas grave. Mais je pense que le Xelor au retrait PA est vraiment un mode à exploiter. Hein. Je testerai peut-être de faire un truc dans le style. Le Xel qui se TP, ok. Bon, il déplace mes persos mais il fait pas grand chose, on dirait moi quand je bégaye avec le mien. Ok. Ok, bah alors là je vais venir, moi je vais quand même éroder hein, dans le doute. Des fois qu'il décide de jouer quand même en face avec du soin, de faire un petit peu durer les choses. Limi, je me booste, et là j'enchaîne avec les dégâts quand même de mon Ogi, vous commencez à connaître l'histoire. C'est sympathique, je vais venir peut-être là embêter Lenny. Hop, bien petit GG, donc combat sympa, équilibré sur les compos, hein, tous les deux en Xelor plus Eroder. Et esquive PA négligé de la part de l'adversaire, et je pense que ça joue pour une grande partie du combat. Je vais lâcher un corrompu qui passe plutôt bien. Il va falloir que j'aille mettre du soin sur mon Xel aussi. Bon, comme ça sera bien dans un premier temps. Est-ce que j'ai vraiment besoin de soigner le Xel? En fait, je suis même pas sûr. Hein. Mettre un sacrificiel sur les logis. Sachant que le sacrificiel, hein, ce qui fait que quand mon logis va recevoir des dégâts, ça va soigner mon Xelor. Hein, donc le fait de le mettre sur le logis ne veut pas dire que je ne soigne pas mon Xel. Hein. Des fois que certains se demandent pourquoi je l'ai mis sur le logis alors que c'est le Xel qui est en difficulté.
Voilà, bon, adversaire agréable, combat quand même plutôt sympa dans l'ensemble. Voilà, c'était sympa ce colis. En tout cas, mieux que le dernier que je vous avais mis, qui était un peu pourri, que j'ai hésité à mettre d'ailleurs. Hein. Je vous l'ai mis juste parce que en face, il y avait un SRAM qui jouait avec des variantes intéressantes. Mais en soi, c'était pas terrible. Celui-là est bien mieux déjà. Le Xal, on va voir si on peut si on peut aller le chercher. Alors là, je vais essayer d'exploiter au max les pétrifications une fois de plus. Mon cadran est mis, je vais remettre une momif. Ok, hop. Ah là, le sort il coûte 2 PA, vous voyez, ça me fait des. C'est du ralentissement fois 10 000 quoi. C'est des super ralentissements en fait, hein. Ça tape haut, mais vous avez beaucoup beaucoup plus de dégâts. Et je vais rester ici, je pense, hein, tout simplement. Vous avez beaucoup plus de dégâts que le ralentissement, et puis surtout vous pouvez en faire 2 de plus quoi. Ce qui fait qu'avec ralentissement et pétrification, vous avez plus en plus le sablier de Xel. Ça vous fait 5 sorts à 2 PA qui font du moins 2 PA, c'est vraiment génial. Donc pour 10 PA, vous faites du moins 10 PA et en plus vous tapez. Et vous pouvez vraiment taper correctement. Hein. Je vais aller chercher le Xel là, je pense. Il ne me tacle pas lui. Moi je vais le rapprocher, je vais le ramener tout simplement. Hop. Là je pense que j'ai même pas besoin de m'embêter spécialement. Est-ce que j'ai encore le limier? Ouais, j'ai le limier. Bon là. Je vais taper, c'est même pas impossible que je le termine. Ouais, non, à mon avis, c'est pas loin. Hop, j'ai pas beaucoup boosté mes carcasses, donc je le finis pas, mais on n'est pas loin du tout. Et c'est donc Lenny qui va venir terminer. Voilà, la petite ligne de vue, hein, toujours bien savoir repérer ses lignes de vue. Je le termine comme ça. Et bon, je pourrais mettre du soin sur le Xel, on va pas faire durer inutilement. Je pense pas qu'il cherche à tryhard le kill. Hop! Faudrait peut-être que je vous fasse un tuto ligne de vue d'ailleurs un jour, on me pose aussi beaucoup de questions, et quand je vois un petit peu d'autres personnes jouer, notamment des cras en PVM, je vois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas trop les réflexes. Il faut savoir d'un coup d'œil repérer complètement ces lignes de vue. Hein. Oula, 18 PA sur mon Xelor, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'en suis à un stade où je stresse de ne pas pouvoir faire mes tours quand je vois que j'ai trop de PA, hein. c'est vraiment être dans l'abus complet. Ok, il se fait un mot de solidarité sur lui, mais le lapin n'était pas stimulé apparemment, donc ça n'a rien fait. La gélure, il va où lui? Il va là. Ah bah on va faire ça, tiens, hop. Hop, on coupe le chat. On va venir là, on va spam. Les petites pétrifications, toujours sympa. Plus les ralentissements. Vous voyez que mon Xel sans rocks, il tape déjà plus de 100 et quelques sur du 41%, donc c'est quand même pas trop mal par rapport à la nullitude présupposée de mon Xel. Je pourrais faire une aiguille éventuellement. Allez, je vais faire ça. Sachant que comme ça retire le téléfrag et qu'il y a le cadran qui joue derrière, c'est pas forcément génial, mais bon là je suis passe après. De toute façon j'enchaîne derrière et là je vais passer le kill hein, très, très clairement. Avec Lugie, on va balancer un dépeçage. Lugie, est-ce que j'ai pris le Vulbis? Je sais pas, tiens, faudrait que je regarde après. Double charogne, double carcasse. J'aurais peut-être pu moduler avec dépeçage aligné pour avoir plus de dégâts. J'avais le Vulbis ou pas là? J'avais le Vulbis, ouais. Bon, c'est. Quand même, vous voyez, ça sert quand même le Vulbis. Hein. Bon, c'est. Là, on est sur des stades du combat où. Forcément, le Vulbis se déclenche, on va dire bon jeu. Le Vulbis se déclenche parce que bah, y a plus beaucoup d'adversaires en face, donc le combat est un peu terminé. Mais à d'autres moments où le Lugie il est un peu isolé, on peut avoir un plus 10% qui, à certains moments, fait vraiment du bien, quoi. Donc, pour tous ceux qui me disent prends un Nomade à la place du Vulbis, je trouve que le Vulbis est quand même mieux. D'ailleurs, je vais avoir le deuxième qui va arriver très vite, là. Bon, je vous ferai ça en vidéo. Écoutez, voilà, bah, rien de plus à dire pour ce combat, c'était sympa, j'espère que ça vous a plu, moi j'ai plutôt apprécié. J'ai trouvé qu'en termes de performance du PC, c'était un peu mieux, bon il y a encore des choses à revoir, je continuerai à réfléchir à la question. Mais là c'était quand même plutôt jouable, à part le moment où je racontais ma vie avec le Xel, j'ai plutôt pu faire mes tours correctement. Donc bah voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu, c'est le cas, vous pouvez comme d'habitude liker, partager, vous abonner, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, à bientôt.